Rebonjour, donc nous y revoilà. Troisième session sur Little Nightmares, donc jeu que je ne ferai pas beaucoup plus loin que ce qu'on va voir aujourd'hui. Tout simplement parce que, en fait, un des gros intérêts du jeu réside dans sa narration et ce serait un petit peu stupide, pardon, de vous dévoiler tout ce qui va se passer pendant l'aventure. Alors je vais vous raconter au fil du jeu quand même mon ressenti sur ce qu'il y a eu jusqu'à maintenant, ce que je pense grosso merdo du jeu. Sachant que je confirme quand même ce que je vous ai dit au tout début, c'est un jeu d'infographiste. C'est-à-dire c'est très très joli, mais niveau gameplay, on est loin d'avoir inventé l'eau tiède. Wally Walou, allez, on repart là-dedans. Où qu'on en était. Je suis fait sucrer ma manette, j'ai l'impression. 2 petites secondes. Le fail de démarrage, donc on l'a eu. Ce qui veut dire qu'on n'aura pas. Ah, oui, je me suis pas fait sucrer la manette en fait. Il y a un Gremlins qui est venu en douce débrancher la manette cette nuit. Rendez-vous compte. Hop, bah, un petit fail fixe. Et c'est reparti. Yes. Alors un petit rappel utile quand même. Point de vue qualité de stream, vous avez l'encodage qui va sûrement ramer, donc qui vous donnera pas la fréquence d'affichage que j'ai. Et de surcroît, je joue en QHD. Ce qui veut dire que en fait l'image là est divisée par 2, soit 4 fois moins de résolution pour le stream. Et ce que vous entendez miauler derrière, c'est le chat qui est en mode. Comment dirais-je? Vous avez très très bien compris, c'est pas la peine de faire semblant. Wally Walou, donc nous revoilà avec notre petite mémère et son impère. Et ce passage, je l'ai déjà fait, parce qu'en fait je me suis arrêté juste après. C'est donc le checkpoint courir CX, si on peut appeler ça courir. Donc pour reprendre où on en était, le jeu est vraiment très 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 beau. Ce moteur, c'est un peu comme celui. Bah, de toute façon, il y a des gens de l'équipe de Little Big Planet qui ont bossé là-dessus, c'est le même studio. Donc il est certain qu'on retrouve ce mode de rendu qui est parfaitement velouté et agréable à la pupille, qu'ils avaient déjà exploité à l'époque sur le titre. Ceci dit, reste que la maniabilité n'est pas au top. Moi, sur cette machine en particulier. J'ai pas le taux de fréquence d'image qui serait mérité pour un jeu qui a une mécanique qui n'est pas hyper complexe et où tout se concentre sur le moteur de rendu. Donc sur ça, c'est peut-être un peu dommage et on se demande si le boulot était vraiment optimisé pour toutes les conditions. Moi, je pense que ça a surtout été optimisé pour la PS4, mais vous le gardez entre nous, on ne le répétera pas. Sur la PS4, par contre, j'ai pu observer le gameplay et il se trouve que c'est beaucoup plus fluide et smooth que ce qu'on a bah sur ce strip. Enfin, peu importe. On est ici pour explorer, voir ce qui va nous arriver. Sachant que, comme dans tous les jeux de ce genre, tout va très très bien se finir. Ou pas. Je suis invisible. Enfin, va falloir y croire. C'est à ce moment-là que on est très heureux de ne pas avoir mangé de flageolets la veille.
Les personnages sont particulièrement bien trouvés, avec leur côté un peu glauque. Un peu glauque, beaucoup glauque en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ça, ce sont les petits singes mécaniques qu'on peut ramasser et balancer pour distraire plus ou moins une bestiole qui nous ennuierait. Ici c'est fermé, mon ami. And you know why? Because un passage, il y a. Alors ça, c'est un petit truc quand même, c'est vachement agréable. Vu qu'on traverse les travaux, les travaux, bien les tableaux, en transparence, on peut observer quand même ce qui se passe autour. Et du coup, l'activité des autres bestioles est assez intéressante pour pouvoir prévoir un potentiel chemin. On va laisser ça là, hein, voir ce qui se trame au fond. Bon, rien de particulier. Il va falloir aller faire un petit tour là-haut. Alors, où est parti le machin? Bien entendu, il va squatter là où je veux monter. Singe. Bon, il n'y a rien de particulier ici. On peut pas monter. Ah, pour pas qu'il se pointe. Trace. C'est tendu. Hop, 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 hop. What the sera là, ça. Non, pas vraiment. On va éviter de traîner. Ça aurait pu être plus discret. C'est bien ça, ça aurait pu être beaucoup plus discret. Monsieur, monsieur, le téléphone!
Le gaz, tu as pensé le gaz? Tu as peut-être oublié d'éteindre le gaz. Ou le lait? Il faut une chaussure. Il faut impérativement une chaussure. Oh putain, cet échec. Ça s'appelle un échec total. Sonne. Purée, c'est pas possible. Ring. Plus d'efforts. Vas-y ma caillette, tu peux le faire. Où c'est que je monte? Où c'est que je me cache? Où c'est que je vais? Et voilà, qu'est-ce qui va m'arriver ici? Cette manie de suspendre les pianos ici, c'est quand même assez bizarre. Bon, on va voir sur ce bureau s'il ne se passe pas quelque chose. Oups, désolé. Où vas-tu, petit truc? Alors, par où vais-je pouvoir passer? Moi, je pense que la bibliothèque au fond est très bien. Désolé, Pépette. J'aime bien la faire tomber. Ça s'ouvre pas, ça? Dame, là. C'est parti pour la varap. Sauras-tu retrouver l'expression numéro 17 qui est couramment usitée dans les jeux quand on fait un scrim? Le saut, le saut, le saut. Oh, le saut de la foi! Ce stream est donc basé sur les faits et la répétition. Faut que je me remette les boutons en fait du. De contrôle du perso, parce que j'avoue ne pas avoir joué à ça entre-temps. Pourquoi ne veux-tu pas monter? Non, gâchette, action, ah, saut. On va y arriver. C'est limite ça, madame. C'est censé passer en face, on est bien d'accord. Oh purée, mais à chaque fois j'inverse. Peut-être falloir que je me refasse les commandes à ma sauce si ça continue. Désolé, je vais essayer de vous faire la version courte. C'est mal barré. Non, tu n'es pas exactement en face, donc tu n'arriveras pas à monter. D'accord, j'essaye 2 pixels plus loin. Oh, super, tu as trouvé le passage. Tu es plein d'astuces. Ça, c'est un truc qui m'énerve un peu sur le jeu. C'est pour ça que j'aime beaucoup plus le regarder que le pratiquer. C'est que, étant donné le gameplay qu'on se permet sur ce genre de truc, qui est quand même relativement simple, hein,
ils ont quand même pu se permettre d'offrir au perso une certaine souplesse qui n'est pas présente. Et ça, c'est bien dommage. Waouh, je me suis pas gaufré, c'est un exploit. Coucou. Attends, gros machin, pas bon. Falloir anticiper un passage. Alors, ça, c'est les trucs à manivelle. Donc, il doit y avoir un bout de manivelle qui traîne quelque part par ici. Ou purée. C'est pas terrible, terrible, ça. Hop, 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 hop. Vas-y, petite souris. Alors, ce qui est assez rigolo, par contre, c'est là où le jeu fonctionne parfaitement, c'est que quand on se balade là, on a tendance à faire parfaitement le silence, hein, pour pas se faire remarquer tellement on y croit. Sur ça, c'est bien joué. Je vais vouloir passer, je vais faire tomber ces cubes, ça va faire du bruit, il va faire la gueule, il va falloir que j'attrape le singe pour le balancer très loin et qu'il aille à ce très loin précis, on est bien d'accord. Ça aussi, c'est un peu regrettable sur la difficulté des. Ramasse, ramasse. Et jette. Non, pas là-bas. Mais, j'étais super bien caché, monsieur. On ne passe pas les bras à travers les poteaux. Ça se fait pas. Je suis pas très d'accord. Moi, c'est ces genres de petits détails qui me minent, en fait, sur ce jeu. C'est qu'en offrant une qualité de rendu pareille, bon, je pense que c'est impératif de quand même donner une maniabilité un peu plus soutenue que ce que je suis hélas en train d'expérimenter. Moi, je trouve pas ce jeu très très souple. Pour vous donner un ordre d'idée pour les vieux gamers, c'est du niveau des premiers Tomb Raider, quoi. Genre, je pourrais très bien me prendre un mur et faire on. D'ailleurs, je vais faire on. Et voilà. Attends, tu vas me gonfler. Donc ça, oui, ça fait partie de ce qui est regrettable dans le jeu. C'est que souvent, on recommence un passage, pas parce qu'on n'a pas compris ce qu'il fallait faire, mais parce qu'on n'a pas réussi à faire la manipulation correctement, faute à ce manque flagrant de... On va chercher. Toujours pas cette fois. Bouge! C'est qu'il me cherche, lui. Oupopo! On va tracer, hein. Je vais où? Je vais où? Je vais où? C'est mal barré, moi je vous dis. Je sais pas du tout où je vais. Ah bah voilà ma manivelle. Alors, je pense que monsieur va pas tarder à venir. Il n'y a rien d'extraordinaire par ici. J'ai pas de passage par là. Par contre, je veux ramener ça plus près de la sortie. Ce sera encore mieux. Et nous allons regarder le JT. On est pour regarder le JT. En fait, faut que je prenne quelque chose à balancer là-dessus. Ok. Hop, je vais derrière la valise et ça va bien se passer. On est d'accord? J'ai un problème avec les lancers, je crois. Oh, purée. Ce jeu me déteste. Ça m'a l'air d'être un programme fascinant. Hein.
que je peux courir. Oui! C'est probablement la meilleure nouvelle depuis l'invention du lissage de polygones. Courir les mains encombrées. Ça me rappelle l'époque où il y avait des jeux qui, eux, te disaient non, mais t'as les mains encombrées, tu ne courras pas, mon poussinet. Allez, toupie, toupie, toupie. Va falloir prévoir l'enchaînement là. Ah, pour rater mon saut, hein, je rappelle. Yes. C'est la limite, hein. Trop de pression, trop de pression. Petite pause. T'en vas pas, toi. Oui, forcément, monsieur. C'est bizarre cette caméra qui tangue sans arrêt. Ça fait des drôles d'effets en fait. On a l'impression d'avoir pris quelque chose de bizarre avant. Ah, heureusement qu'il y a l'extase graphique sur ce jeu parce que sur le déroulé, moi je trouve pas ça très très passionnant. Ceci dit, on ne peut pas retirer à ce jeu que cette narration silencieuse est faite avec maestria, comme on dit. Oh putain, cours, Topette, cours. Je sais pas où tu vas courir, mais cours. C'était à une roulade près. Même pas le temps d'enchaîner. Il y a une mauvaise foi dans ce jeu, je le sens. Il y a une mauvaise foi. N'oublie pas la roulade. N'oublie pas la roulade. La roulade, n'oublie pas. Yes! Les mamans, elles vont me faire chier, chier, je pense. C'est bien ça, les mamans, elles vont me faire chier, chier. Alors, j'ai une cage. Attends, enfin.
Ouais, mais j'ai un début d'idée, tu vas voir. Ma fin de chance, ça sera terrible. Si j'arrive à le faire. Pas bouger. Pas bouger. Là-bas, là-bas, t'es bien. Hop, hop. Ah, ça pique, hein? Allez, casse-toi. C'est mal barré. C'est très mal barré. Bordel, fais quelque chose. Fais quelque chose! Je déteste la maniabilité de ce jeu. Pas trop le suspense, c'est gros. Ouais, non, mais il va rien se passer de terrible. Il m'a échappé au vol. Bon, je vais y aller en mode Gonzo Destroy. C'est une maniabilité de merde. Bon, ça, je peux faire quelque chose. Non, ça sera pas ça. Ça aurait été bien trop beau. Bon, il y a encore un truc avec stockage, mais faut que je trouve quoi. Ah, ça fait moins le malin là. Je pense qu'il est un peu vénère. Eh oui, monsieur, ça pique. Donc, comme je le disais, on a bien vu ce qu'il fallait faire, mais pour le réaliser, vu la maniabilité de l'OVNI, là, bah voilà, il a fallu que je m'y reprenne plusieurs fois, alors que le cheminement est évident. Moi, c'est pour ça, je suis pas à 100% sur ce jeu, aussi magnifique soit-il, quoi. Si j'ai envie de m'amuser, je peux me ressortir un truc avec de la grosse bouillasse de pixels qui, lui, me donnera vraiment du fun sur le gameplay, quoi. Là, c'est une catégorie de jeu à part, quoi. Oh là, j'ai pas envie d'y aller. Je le sens pas, ce truc. Alors, faut aller là, mais moi, je vais aller là-bas. Ça, c'est mon vieux principe. Je pense pas que ce soit une terrible idée. Toujours important d'avoir une chaussure avec soi. Bon, pas cette fois. C'est sympa, tous ces petits sacs cadeaux préparés pour Noël. On se demande ce qu'il y a dedans. Alors, je rappelle que la miss a régulièrement faim. Et la dernière fois qu'elle a mangé un truc, vu qu'il n'y avait rien sous la main, elle a bouffé un de ces petits bonhommes avec un petit chapeau sur la tête, là. Et là, je crois que ça ne m'étonnerait pas. This is boss. Petit rat, viens petit rat.
Donc les enfants qui regardaient ce stream, non, les rats ne sont pas comestibles comme ça, directement. Il y a un minimum de travail dessus à faire pour que, éventuellement, vous puissiez apprécier, malgré sa modeste taille, un petit gigot de rat. On avance ou j'approfondis l'exploration derrière de choses qui vont m'être utiles ou pas? Ou c'est purement gratuit? Allez, un peu de gratuit, profitons-en. Non, de toute façon, on ne pouvait rien faire avec ce piège. Hein. Je suis sustenté, je vais escalader. Yippie-caille. Et. Va arriver ce qui doit arriver. Alors là, vous me dites, lui, il a déjà fait. Eh ben non, mais c'est présenté d'une manière tellement évidente que... Ah oui, on voit ça, on se dit, oui, non, mais faut le pousser, le truc. Ça, c'est si tu tombes. Non. De toute façon, tomber, tu vas. Et s'il y a un chemin de retour, c'est qu'il y a une embrouille. C'est sympa cette peinture au sol à base de quoi donc déjà? Et oh, tu me roules pas dessus toi? Non, tu veux pas le pousser celui-là. Ah, attends, il y a peut-être un passage là-haut. Non, que nenni. Oui, mon seul passage il est là-bas. Les squeak qui déroulettent, c'est vachement important. Alors, sauf erreur de ma part, j'entends des couteaux qui s'aiguisent. Est-ce que j'ai des endroits de retraite par ici? On va prévoir. Non, je pourrais pas me barrer. Eh ben, c'est dommage. J'ai pas très envie d'aller là-bas. J'espère que vous êtes encore à table. Apparemment, c'est vraiment l'heure. Donc, voilà le backstage, si vous êtes au restaurant, de votre cuisine. De force de saucisse. Bah, les courtes pètes. Ah non, c'est bon. C'était bon. La porte était ouverte, je suis pas arrivé à passer dedans. Ouais, ce jeu me fait beaucoup rire pour ça en fait. Donc, du coup, le côté angoisse, on prend un sacré coup dans les dents. Je pense que oui, on passe beaucoup de temps à rigoler sur ces fails à cause d'une maniabilité pas super quoi. Allez, vas-y ma petite. Suis le monsieur. Ah, oh, c'était pas loin. Oh, dans le four. Ah bah bravo. On va la retenter en se plonquant à mi-course. Le doux principe du tie and retry. Allez, tu te planques à mi-course, mon pépette. On va voir déjà si on arrive à se planquer. Tu es bien trop gros pour passer là-dessous, toi, dis donc. Mais où est-elle passée? Bon, on est juste à côté, mais il y a même les empreintes par terre d'ailleurs. Mais où elle est passée, sérieux? Je me demande si je vais pas me planquer moi-même dans un four. Je peux pas envoyer la caméra plus loin. Allez, c'est court.
Non, fallait pas faire ça. Je sais pas où elle s'est coincée, cette con. Non. Je vais toutes les faire. Donc là, je vous fais voir tout ce qu'il faut pas faire. Oh zut, il me faut une clé. J'ai même pas fait bien que vous savez qu'il y avait une clé. Mais bon sang, t'es lente des fois. Une clé, une clé. C'est là que je regrette de n'avoir personne dans le chat pour me dire. Mais elle était là, espèce d'abruti. Il n'y a pas de clé, bordel. Voilà pourquoi. Voilà comment on traverse un tableau gratuitement. Ça s'appelle un échec total. Alors, on vient d'arriver à ce niveau, on va dire. Non, mais la maniabilité, moi j'ai un souci avec ce jeu. On n'est pas amis. On ne sera jamais, probablement. Il est où le gros sec? Ah bah bravo. Oh, mais il y a un petit passage là, par contre, ça c'est bon à savoir. Une purée de clés, moi je cherche, les enfants. Il n'y a pas de clé ici. Where the frag is the key? Damn. Si l'autre ne bouge pas de là-bas, c'est qu'elle est donc par là-bas. Où est parti, là? Ah, je sais pas, caméra à droite à fond. Ah, le voilà. Où c'est qu'on voit une clé, les gars? Parce que moi, je veux bien, là, mais... Viens par là, toi. Une fragine clé. Le stream va s'arrêter sur une tragédie courante du jeu vidéo. C'est... Eh bien, viens, viens, je te dis. Même pas peur, regarde-moi ça. Là, normalement, on était en droit d'avoir la musique de Benny. Et il est où le bébé? Et il est où? Oh. Ah, ça me bug de la caméra. Je vais toutes les avoir. J'aurais tout eu, sauf la fragging clé qu'il me manque pour ouvrir ce cadenas. Je connaissais pas la technique du caressage de poisson avant de le préparer. C'est pas mal. Je vais regarder ce qu'il fait, lui. Ça donne envie d'aller dans ce resto. Bon, elle est peut-être par là-bas. Je suis quand même pas passé devant. Là, c'est quoi? J'aime beaucoup la respiration du monsieur. Ah! Bien. Donc, combien de secondes avant le prochain fail? J'en parle pour que ça arrive. Je vais en profiter tout de suite. Fail, 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 fail. Ah, on devrait avoir 4 minutes sans fail normalement. C'est le problème des vieux, hein, c'est que quand on leur fait des trucs en 3D, ils ne voient pas trop la zone où il faut marcher. On a le temps de toute façon. Il y a un petit côté Michael Jackson dans les pas. Ah ouais, mais tu vas passer comment là-bas, espèce d'abruti? En faisant un saut, bien entendu.
Allez, je vous l'offre celui-là. N'est même pas morte. Oh, il était pas content, le pépère. On va l'exciter un petit peu. Non, c'est pas rien. Alors, étudie ton chemin, mon ami. Ok. Je ne vois toujours pas de clair. Mais comment ça me fait peine, cette maniabilité? Tuez-moi, tuez-moi, je suis Ripley. Je vais là où je ne sais pas. Il y a une fascination avec les rouleaux de PQ dans ce jeu qui est assez troublante. Serait-ce une sauvegarde? Parce que ce serait ballot de tout recommencer du début quand même. Ghetto. Yes. Qui dit sauvegarde dit plan à la con sur le prochain tableau. Une porte fermée. Une théière à faire tomber. Ça grince par ici. T'as vu que c'est pas le meilleur endroit pour faire un pique-nique. Oh fuck la clé. Bien entendu. Alors, ça. Je suis le désappointement de Jack. Je vais même pas essayer d'ouvrir ça d'ailleurs. Ah, mais je ne peux pas, c'est beaucoup plus simple. On évite. Je me plante où, moi, les enfants, après? Allez, faire un petit tour là-haut, quand même, histoire de vérifier que je suis très bien là-haut. Bien entendu, je ne vois pas l'autre abruti ce qu'il est en train de faire. Qui va pas revenir tout de suite. Rebondi dessus de sa tête. C'est vrai que j'ai pas essayé ça.
J'ai l'air con avec ma clé. J'espère que bien m'en a pris. Arrête de bouger, Andouille. Ce fut une idée d'allumer le briquet pour essayer de lui mettre le feu, mais apparemment ce n'était pas la bonne chose. Et j'ai raté l'endroit où il y avait la clé à utiliser. D'ailleurs, il me l'a sucré. Oui, donc c'est bien ça, je n'ai pas du tout fait les choses dans le bon ordre. Clé est là-bas. Non, ne la ramasse pas. Là, c'est chiant parce qu'on voit pas du tout ce qu'il fait le pépère. Ok, ça y est, je me suis repéré. Je m'étais un peu égaré, donc on est revenu. Là où j'ai fait de nombreux fails. Je sens que notre ami va pas nous lâcher comme ça, hein. Cette saucisse m'a l'air tout à fait géniale. Ouch! Qu'est-ce qui est encore arrivé? Un élévateur. Et une machine à faire des chaussures. Bien. Et c'est à peu près tout. Et un passage ici. Bon, ça va, je crois qu'on a gobé l'idée. Machine à faire des saucisses. Ça aurait été trop beau. Mais quelle ambiance festive, dites donc. Au moins, c'est pas du méthane. Je n'ai pas explosé. Ouais, non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais on revient. Refais-la-moi, celle-là. C'était ça l'idée. Je te déteste, toi et ta maniabilité de Kubert. Oui, je sais, les mots sont forts parfois, mais je peux pas m'en empêcher.
Et cette caillotte ici, les gars. Alors, mais dis-donc, il est très gros ce rat. Ouais, t'es gentil la caméra, mais je me voyais plus du tout là. Donc il y a un saut à faire et s'accrocher à quelque chose, mais qu'on ne voit particulièrement pas avec la caméra, moi je sois très très bête, ce qui est aussi probable. On redescend parce que là, la caméra me saoule. Ça on peut bien l'attraper, non? Non! Au moins ça c'est fait, c'est clair. Donc pourquoi je peux monter ici si je ne peux pas accéder au-dessus? Fort dommage. Le mec qui a foutu cet angle de caméra devrait être laissé à l'abandon au 8e cercle de l'enfer, quoi. Pour l'éternité. Pour l'éternité, j'insiste. Oh, on voit son visage. Elle est quand même humaine. Ouais. Si je veux faire quelque chose ici, que je ne peux pas y accéder, que je jette un objet. Je ne sais pas. Non. On va arrêter le stream ici, avant que ça gonfle tout le monde. Donc voilà, Little Nightmares, très joli jeu, vraiment magnifique. Maintenant, si vous aimez les petites aventures où c'est jamais très compliqué, et vous découvrez l'histoire et tout, eh ben, foncez, c'est fait pour vous. Si vous vous attendez à un jeu qui soit plus action, réflexion, là je vais commencer à mettre quelques bémols, puisque vous allez être rapidement déçus. Ceci dit, le produit a le mérite d'exister, d'être franchement agréable à regarder, et de convenir à une population qui existe. Donc pourquoi s'en priver? Wally Walou, donc c'était Little Nightmares, et on se retrouve bientôt pour des streams encore plus pourris.